Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode de nos aventures sur Fae Farm. Voilà, ça c'est fait. Au revoir. Je récupère la petite note. Donc, c'est la nouvelle mécanique liée au DLC Cost of Croakia. Bien sûr, hein, qu'on a découvert la semaine dernière. Enfin, la semaine. Oui, c'était la semaine dernière, dans l'épisode 13. Donc, dans le dernier épisode, mais qui date de la semaine dernière. Et on peut s'occuper de nos petites bêtes qui nous suivent, du coup. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite. Ensuite. On va s'occuper de nos autres petites bêtes. Qui sont, elles, pour leur part, ici. Et puis, on a celles qui sont en haut. Bref, il y a du monde. Des câlins, des câlins. Des câlinous. On va aller récupérer les ressources. Parfait. Soins aux animaux niveau 8. Et enfin. Alors mine de rien, ça prend un peu de temps de faire tout ça. Ok, là-dessus, on est bon. Les cultures. C'est parti. Non, 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 je voulais pas te caresser. Et vous êtes pénible, hein? Ok, là-dessus on est bon. Au niveau des quêtes, les loulous, on a donc trouvé le mystérieux portail et acheté une babiole à l'aime. Donc ça, c'est du côté de Cost of Croatia, ouais, Croakia. Et on a aussi, de mémoire, un nouveau TP à débloquer. Donc il est là. Il est là, il est là. Mais je ne sais plus ce qu'il faut pour le débloquer. On va retourner voir. Parce que j'avoue, je ne m'en rappelle pas. Autre chose, je me demande aussi si on a une compétence liée. Une nouvelle compétence qui serait liée au fait qu'on. Mais à première vue, non. Alors peut-être que ça reste de la capture de bestioles. Mais le fait qu'on utilise l'espèce de conque là pour. Pour récupérer les notes de musique. J'avoue que je ne sais pas. Toi, c'est une quête quoi ça? C'est une quête métier ça, non? Attendez, je vais y arriver. Oui, c'est une quête métier. Donc pour l'instant, j'avais dit que je me concentrais sur juste la pêche. On va faire les métiers un par un. Mais en même temps, on peut pas tout faire sur le jeu, hein, en même temps. Ah, ici d'ailleurs, il y a encore ce genre de truc à virer. Bon, il y en avait que deux. Et du coup, il n'y a rien de plus. Voilà, c'est celui-là. Un seau en émeraude. Alors, à mon avis, je ne suis pas capable de faire ça.
Ah non, ça je le garde. Ok, soit en émeraude. Bon, à première vue, je le connais pas. Alors attendez. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Il est là, non? Il y a des chances que ce soit lui, mais du coup, je sais pas le faire. Parce qu'il me manque certainement des émeraudes. Donc pour l'instant, ça, on laisse tomber. Ensuite, la quête principale. Le fameux portail mystérieux. Alors le portail mystérieux, j'avoue, j'en ai pas la moindre idée. On pourrait retourner voir là-haut, maintenant qu'on a le double saut. Est-ce que ça peut nous aider à... Alors, en même temps, celle qui nous l'avait donné. On voit rien avec le décor. Je vois pas comment. Je pense pas qu'on puisse aller là. Hein. On... Portail mystérieux. Ah, une quête d'amitié. Bonjour mon enfant. Ah oui. Je n'ai plus aucun ingrédient de base. Tu pourrais aller m'en chercher. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Amenelia. Là. Pas la moindre idée. Et là on est d'accord. Je peux pas y aller. Hein. Non, je peux pas. Ah, on entend un son bizarre par là, mais... Mais on est d'accord, je peux aller nulle part. Hein. On n'a pas d'indice hein, sur cette quête. Ma vision va loin, mais certaines régions d'Azoria échappent malgré tout à ma surveillance. Voudrais-tu bien aller voir comment se porte l'ancien portail, mon enfant? L'ancien portail. J'avoue, j'en ai pas la moindre idée. Un ancien portail. Ça, c'est la mine. Je sais pas du tout. À chercher. Ah, c'est peut-être ça. Retournez voir Mère Flamme Nuit pour obtenir vos récompenses.
Donc c'était ça en fait. C'était tout bête. Alors, Soma, as-tu vu la lueur de la porte? Possède-t-elle encore un peu de magie? Tant mieux alors, nous avons un autre sujet important à aborder. De l'autre côté de cette porte se trouve une région cachée d'Azoria dans le royaume féerique. Il existe des créatures et des plantes fantastiques telles que tu n'en as encore jamais vues entretenues par des elfes bons et généreux. Pourquoi ai-je scellé la porte? Eh bien, une chose terrible est arrivée au royaume féerique. Les ruines flottantes ont commencé à dégager une étrange brume que nous appelons le miasme. Au début, nous ne nous sommes pas inquiétés, puis les humains qui vivaient là ont commencé à tomber malades. Alors que le miasme continue à se propager, les humains du royaume féerique ont été contraints de s'enfuir en traversant la porte féerique. Le miasme a fini par atteindre la porte féerique et, à mon grand désespoir, il a commencé à s'insinuer du côté humain d'Azoria. J'ai alors scellé la porte et demandé aux Azoriens de les oublier, elle et le royaume féerique. Je voulais les protéger, quelqu'un, pardon, aurait pu traverser par accident, c'était trop dangereux. Mais l'heure est venue d'ouvrir la porte et de réunir les deux parties d'Azoria. J'ai mes soupçons quant à la source du miasme et je crois que tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Je vais avoir besoin de plusieurs ingrédients pour réunir la magie nécessaire à l'ouverture de la porte. Pourrais-tu me les apporter? Ok, donc des pierres polies. Et le polisseur. Alors le polisseur, c'est déjà fait, hein. Ça fait plaisir de te voir, mon enfant. Donc je pense qu'il va falloir les farmer. Allez, parti. Je suis où là? Je me suis perdu, non? Non. Alors, je peux faire une comme ça, une comme ça, une comme ça, et il me manque en fait l'olivine. Ben, c'est parti. Alors, l'olivine, ça devrait être dans les étages. J'ai juste d'abord rangé ça. C'était quoi ma touche déjà? C'était ça. Et attendez, je vais vendre ça aussi. Voilà. On va se TP. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous voulez des macaronis? Mais pas de macaronis. On va aller à l'étage 6. Peut-être 7 même. Ah, c'est toujours pas la bonne. Les pierres vertes. Hein. Ok, je suis en train de me faire défoncer. Vous allez vous calmer, ouais. Bande de moches.
J'aurais dû descendre plus bas à première vue. Forage niveau 9. Ah, il m'en faut pas 50 000, hein, mais bon. Allez, ça suffit largement. Même si je vais prendre celui-là. Et donc il me faut un comme ça. Et les autres, je vais les revendre pour faire de la thune. Il me faut juste celui-là pour à la rigueur rendre la quête sur, sur cette journée, vu qu'on est juste à côté. Allez, allez, tu peux le faire. C'est pas rapide, hein, mais bon. Ça va être juste quand même, hein. Au pire, on s'écoulera comme un caca, et puis voilà, hein. Sur ce jeu-là, c'est pas bien méchant. Allez, c'est bon. On est reparti. Alors, celle-ci, donner les objets. Merci Soma, j'ignore ce qui t'a poussé à venir sur notre petite île, mais je t'en suis vraiment reconnaissante. Une fois la porte ferrée couverte, le miasme nous attendra encore de l'autre côté, tu devras donc faire preuve de la plus grande prudence. Ce sera dangereux, mais tu ne seras pas seul. Deux braves elfes pourront te guider de l'autre côté. Alors, un personnage mystérieux, bonjour. Ouais. Ah, mais c'est toujours elle en fait. Je dois faire quoi là? Ah, je dois ouvrir la porte et entrer dans le royaume. Pardon. Oui, je suis toujours malade. Ça a du mal à passer. Ah, est-ce qu'on attend la prochaine journée pour faire ça? C'est peut-être une bonne idée. Et donc en attendant...
Parfait. On va déjà aller revendre ça. Ban. Ah, j'ai tout, je suis désolé, j'ai toujours des quintes de tout, puis ça arrive comme ça de but en blanc, je suis vraiment désolé. C'est un peu pénible, hein, que ce soit pour les lives ou pour les vidéos, de tourner et de faire des lives dans ces conditions. Je trouve ça gênant pour vous, donc c'est vraiment embêtant, mais bon. Oh, ouvrez les portes, termine le quatrième chapitre de l'histoire. La mère flamme nuit m'a averti des dangers qui m'attendent. Elle s'est retournée vers la porte et je l'ai entendue murmurer des mots magiques. La porte a alors pris vie et de la magie est apparue en volute tourbillonnante. La porte féerique reliant nos deux mondes était enfin ouverte. J'étais impatient d'explorer ce nouveau monde, mais l'étrange brume s'échappant de la porte m'a rappelé la dangerosité de ma mission. Chapitre 5, le nuage sombre. Bon, bah, c'est cool, on avance. Alors, on va s'occuper de nos animaux, on va faire une petite caresse à... Ah, je peux pas? J'ai l'impression que je ne peux pas. Ok. Ça c'est bon. Bah, arrosage. OK. Donc maintenant, à ceux qui sont là-haut. Alors, il y a encore un type d'animal que j'ai pas acheté et qu'il faudrait peut-être que j'achète à un moment donné. Je t'ai pas brossé, toi? Ah, c'est ça, hein. Ah, est-ce qu'on achète un nouvel animal, les loulous? Ouais, on a le temps, c'est le début de la journée. Attrape bestiole niveau 8. Alors l'été, il y a pas beaucoup de, y a beaucoup d'insectes, hein, clairement. Alors, est-ce que c'était à toi? Acheter. J'ai oublié de regarder les noms que j'avais déjà mis au. J'ai du Kenny, j'ai du Dark, j'ai du Hardag. J'avoue que. Ah, je vais mettre un. Je vais. On va mettre un. Ah oui, c'est des prénoms que je dois trouver, la féminin. Alors, je dois avoir déjà Mrs. Beers et Mira. Donc, pour les cornelaineuses, Guimauve.
Alors, il faudrait que je tourne par rapport au précédent jeu où j'ai mis des noms de loulous sur un farm sim. Ah, je vais mettre Marine. Allez. Ah. Je vais faire comme ça, sinon je pourrais pas faire le M majuscule. Allez, c'est parti. On va la ramener. En fait, faut que je regarde les animaux que j'ai déjà. J'ai Mira, Mrs. Bears, Kenny et Chris. Ok. Ardag, du coup, et. Ardag et Dark. Et donc, on a une marine. Et oui, parce que dans la team Fenrir, il n'y a que deux femmes. Hein, donc, ça ne s'invente pas. Enregistrer compagnon. On va lui faire un câlin. Il faut aussi la brosser. On va mettre à manger. Et ensuite, on va aller voir cette histoire de portail pour le traverser. Parfait. C'est vrai que j'avais un TP pour me rapprocher. Oula! Ah oui, quand même. Ok, il y a le miasme. Quête prête à être terminée. Parlez à l'elfe de l'entrée. À l'entrée. Un bourgeon à feuilles. Alors, je sais pas s'il y a des plans à trouver ici. Pour l'instant, j'en vois pas. Zido, enchanté. Ce sera sympa d'accueillir plus de visiteurs maintenant que les tourbillons ont disparu. Poire Lémuse, une personne inconnue. Malgré tes ailes, tu appartiens à l'espèce humaine. Que fais-tu ici? Cet endroit est dangereux pour les gens de ton espèce. C'est la mère Flamme Nuée qui t'envoie? Dans ce cas, elle doit penser que tu peux m'aider. Je suis Zido, ravi de te rencontrer. Tu vois, il y a quelques années, un horrible miasme a commencé à émerger des ruines flottantes. Les elfes trouvent qu'il sent très mauvais, mais pour les humains, il est carrément mortel. La mère Flamme Nuée a fermé la porte d'Azoria pour que le miasme ne se répande pas. Je me suis porté volontaire pour rester ici et m'assurer qu'aucun Azorien trop curieux ne passerait. Tu sais, avant, cet endroit était un village très animé, mais aujourd'hui, il ne reste que Balarandi et moi. Balarandi est une chimiste qui a tenté de se débarrasser des miasmes. Tu devrais lui rendre visite si tu penses pouvoir l'aider. Ok. Alors, il y a des trucs en contrebas, encore une fois. Bobline vert. Alors, elle est là. Un esprit solaire. On va faire le tour un peu, non? Oh, il est rigolo, lui. Ah, faut que je voie si je peux les. Non.
On va voir si on peut les transformer et puis bah aussi les revendre. Ah. Clôture de bûche fendue en chaîne de l'ange. Bouchon violet. Ok. Goutte à lueur sauvage. À quoi ça me servir tout ça, quoi? Bonne question. Lierre en pot. Est-ce qu'on a le même bois? Ah non, pas du tout. Chaîne de l'ange. Ok. Bolet éthéré. Alors là, les loulous ont fait des découvertes. Ah, c'est dingue. Ma foi. Ok, on est revenu ici. Ah! Clôture en arabesque. Ok, il y a plein de chemins différents. Et je suis redescendu ici par contre. Tapis tricoté couleur menthe. Ça, on connaissait déjà. Moi, je farfouille, hein, les loulous, j'explore. Ah, voilà, il y en a un là. Table féerique. Tapis fleur de plein de printemps, pardon. Eh ben, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Alors, c'est marrant, là, ce cercle fait par les champignons, là. Bon, on va lui parler. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Alors déjà, quête de métier, tiens. Alors de quel métier? Qui sera assez fou pour traverser la porte féerique? Un être humain. Comment Zido a pu te laisser passer? Il était encore en vadrouille. Parfois, il adore partir à l'aventure. C'est la mère Flamme Nuée qui t'envoie. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Je suis Balarandi. Et tu es? Quel courage, Soma. Le miasme ne rigole pas. J'essaie de trouver quelque chose pour le neutraliser, mais je n'ai pas pu le tester sur les humains. Tu veux être mon sujet d'expérience? Excellent, je peux te donner la liste des ingrédients pour la potion bonne haleine sur laquelle je travaille. Récupère-les et confectionne la potion. Tu vas devoir fabriquer un chaudron, mais tu as l'air du genre à avoir des compétences manuelles. Reviens avec la potion et tu devrais pouvoir respirer dans les miasmes pour une courte durée. Pour une solution à long terme, il va falloir explorer les ruines flottantes et en trouver la source. Je pourrais t'y emmener. Mais tu dois vraiment préparer la potion bonne haleine avant de t'en approcher. Que la mère Flamme Nuée te protège, Soma. On verra ça après. Et ça, c'est quoi? Ah, lui, c'est pour les potions. Pourquoi pas? Ça, ce sera fait. Est-ce qu'on a une carte de la zone?
Alors, je suis considéré comme là-haut. Il y a un TP ruine flottante, mais il n'y en a pas là où je suis actuellement. Très bien. Ça, on est d'accord, je peux pas le. Je peux pas l'aspirer, hein. On est bien d'accord. Alors, il faut que. J'ai plein de trucs à faire. Déjà. On va ranger tout ce qui n'est pas insecte. Quoi ça? Alors ensuite. On va regarder si on peut les transformer là tous. Alors les nouveaux, non. Donc du coup, on va faire ça. M'en faut 8. Et les autres, on va les revendre. Vendre au village. Enfin, en ville. Ok, ça, non. Et les abeilles non plus. Alors, mine de rien, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Alors, de cette journée et de l'épisode. Les abeilles, on va les placer ici. Et on va falloir crafter un chaudron. Du coup. Chaudron. Waouh. Ah oui, on a débloqué tellement de trucs. Alors, il y a encore des choses que je n'ai pas faites, hein. Genre. Alors, je crois qu'on a quasi tout fait. Sauf peut-être. Il faut que je vérifie. Banc à jardin et table de décoration. À mon avis, c'est pas fait. Alors, banc à jardin, si, mais table de décoration, je pense pas. Hein, à moins que. Ah, si. Attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec le feu de camp. Il manquerait ces deux-là, donc. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize avec la ruche. J'en ai 15. Il m'en manque forcément une. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Artisanal, tissé. Alors, table artisanale et métier à tisser. Alors, métier à tisser, il est là. Pose de boisson. Peut-être la table artisanale qui me manque. C'est la table artisanale qui me manque, les loulous.
bizarre d'ailleurs. Il faudrait que je la mette là. Et pour la faire, il me faut quoi? Il me manque juste de l'olivine qu'il faudrait que j'aille farmer. D'accord. Et ensuite, donc on a la serre à bestioles féerique, poste d'ingrédients de potion et chaudron de brassage de potions. Et moi, ils veulent un poste d'ingrédients de potion, serre à bestioles féerique. Ah, je dois faire les trois en fait. Ah ouais. Ah, les missions, on peut en faire qu'une par type de métier. Ah bah j'avais bien fait de me dire, je vais faire la pêche et puis je me consacre qu'à ça. Du coup, je l'ai perdu la quête. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc là, en fait, les loulous, il va me falloir beaucoup de choses. Hein. Oh là 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 là. Bois d'œuvre de chêne de l'ange, briques de pierre. 5 briques de pierre. Oh, ah oui, il va falloir que j'aille farmer du bois, mais grave. Et je peux en faire que 3. Eh bien, écoutez. On va passer la journée. Est-ce que je peux récupérer des trucs là? Oui. Est-ce que ça m'a validé la quête? Oui. On pourra la rendre. C'est déjà ça. Très bien. Bah du coup on a du taf. Alors combien on a gagné sur cette journée par contre? Je pense qu'on a fait pas mal d'argent. Alors, des nouvelles quêtes. 2517, c'est pas mal. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de cinématique. Non. Donc, du coup, les loulous, on va se laisser là-dessus. J'espère que ce nouvel épisode de Five Farm, où on a encore une fois, je trouve, bien avancé, vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.